Le principal enjeu pour nous, c'est l'arrivée du digital. Et ça donne en fait trois points clés qu'il faut arriver à craquer. Le premier point, c'est l'omnichannel. Les consommateurs aujourd'hui fréquentent plusieurs canaux de distribution. 30% en fréquentent au moins 3. Le deuxième enjeu, c'est le multi-device. 20% aujourd'hui des shoppers utilisent sur le PGC, pour l'achat de PGC, les tablettes et le téléphone. Il y a juste eu 18 millions de smartphones vendus l'année dernière en France. Donc il faut qu'on soit capable de nous adapter pour que nos produits puissent être trouvés aussi bien sur le téléphone, sur le smartphone, que sur la tablette, que sur le web. Et le troisième enjeu qui est vraiment important, c'est la personnalisation. Donc c'est l'exploitation de la data pour s'adapter au mieux au parcours d'achat du shopper. Donc face au défi, il y a différents facteurs clés de succès qu'il faut absolument réussir pour gagner sur le digital. Le premier, c'est le management du changement à l'intérieur des organisations. Il faut vraiment être tourné vers le digital. Et le point clé, c'est ne plus travailler en silo, être agile et donc avoir une organisation où le marketing et les ventes sont vraiment tournés, travaillent ensemble et sont tournés vers le shopper pour faire émerger vraiment les produits en magasin et les marques. Le deuxième point clé, c'est l'exploitation de la data sous deux aspects. Le premier aspect, c'est le parcours d'achat et l'historique d'achat du shopper. On peut même remonter sur 2 ans grâce au programme de fidélité. Et donc être capable d'adapter le catégorie management, donc l'assortiment et la promotion au parcours d'achat historique du consommateur. Et aussi la version Clickstream où on est capable de faire du retargeting par rapport à ce que fait le shopper sur le site en live. Donc les compétences clés pour réussir en catégorie management aujourd'hui, le premier point, c'est d'être proactif. C'est un environnement qui va très très vite et donc il faut être capable de travailler sur aujourd'hui, mais surtout sur se projeter ce qui va se passer demain. J'en prends pour exemple la personnalisation. Les sites aujourd'hui de nos distributeurs ne sont pas capables de le faire, mais très rapidement, demain, dès janvier, certains distributeurs vont être capables de le faire, donc il faut être capable de s'adapter très rapidement à ce point-là. Deuxième compétence clé, ça c'est une compétence du catégorie management, c'est être capable de comprendre le parcours shopper. La différence sur l'online, c'est qu'il y a beaucoup de data et donc il faut être capable d'exploiter, faire un bon reporting et trouver les bonnes data pour pouvoir les exploiter, et notamment en retargeting. Et le troisième point qui pour moi est assez clé, c'est pas forcément une compétence, c'est plutôt un mindset. Il faut vraiment être connecté avec l'environnement digital. Parce que le monde il est vraiment global sur ce point-là et il n'est pas que grande distribution.